Bah déjà merci beaucoup pour euh, pour m'avoir élu et euh, bah effectivement c'est une fierté on va dire d'être euh, élu joueur du mois même, même si on va dire ça reste quand même un sport collectif, c'est un, un trophée euh, qui revient à un joueur seul mais c'est un peu grâce au groupe on va dire. Je suis content euh, parce que le, le groupe vit bien euh, en ce moment et de, de performer avec eux c'est toujours un plaisir. Alors... Euh, pour commencer, déjà, euh, le match face au leader qui était Van, match euh, des plus importants. Et euh, je trouve, euh, je pense que voilà, on a réussi à réagir malgré euh, tout ce qui se passe euh, intérieurement. C'est que voilà, nous sur le terrain, on a réussi à prouver que on en, on en valait la peine, qu'on valait, euh, valait cette force que, qui, qui nous fait vivre et que voilà, qu'on méritait d'être dans, le, dans les top 6. Donc, on a réussi à enchaîner les, les victoires face au premier. La, la semaine après, on est en déplacement. C'est toujours des, des matchs compliqués à Rouen. Et on a quand même réussi à gagner, ce qui nous fait enchaîner les, les victoires. Et, mal, et malheureusement, on va dire, pour finir l'année, on n'a pas réussi à finir l'année en beauté contre Nevers. Ça aurait été bien, franchement, pour partir en vacances, de partir l'esprit libre. Mais on a eu, comme d'habitude, après des victoires, cet enchaînement de, 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 comment dire, de mauvaises nouvelles. C'est euh, la perte des points, puis après le, le match, mais euh, c'est avant tout, c'est ce qui montre notre force surtout. C'est que voilà, malgré ces nouvelles, euh, on a réussi à, à remonter la tête, sortir, sortir la tête de l'eau. Et, et voilà, face à Aix-en-Provence euh, qui s'est joué là, une, une victoire, une victoire euh, des plus méritées et une victoire, surtout euh, une, une magnifique victoire. Face à encore une équipe du top 3. Donc ça nous fait enchaîner des victoires face au top 3. Et euh, franchement, ça, ça fait plaisir. Bah, je pense peut-être qu'on ne s'y attendait pas. Peut-être qu'on voilà, s'attendait à, à un match très rude, très compliqué. En revenant du, du, des vacances, premier match de la saison, on s'attendait un peu à un match mâché. Et franchement, c'est tout le contraire qui s'est passé. On, on s'est tous retrouvés, on savait, on savait comment jouer, on a fait ce qu'il fallait. Et voilà, je pense qu'on... Même eux en face ne s'attendaient pas à ça, ils s'attendaient peut-être à un combat plus, plus facile. Et on a su les surprendre et on a su mener le match comme il fallait. Ouais, ouais c'est sûr. Euh, un c est, c est, là, pour moi, c'est une saison qui a, qui a vraiment basculé sur le bon côté. Mais c'est vrai qu'en début de saison, je ne jouais pas trop. Après, on va dire, c'est un peu normal euh, vu l'effectif. Euh, il, euh, il fallait, que tout le monde joue. Il faut, faut attendre qu'on nous donne notre chance et euh, avec, un, on va dire, de la chance, mais avec du travail surtout, je pense. C'est que voilà, je n'ai pas baissé les bras et je savais qu'au moment où ils allaient me la donner, il fallait que je, je montre que j'ai ma place dans cette équipe. Et euh, j'ai réussi à le faire. Euh, et je pense que voilà, il faut. Je trouve ça important de montrer sur chaque match que j'ai ma place. Ça reste un sport euh, collectif, mais ça reste euh, surtout euh, du sport de, de, de très haut niveau. Et du coup, sur tous les matchs, il faut il faut réussir à prouver. Et euh, j'essaie de donner tout ce que je peux, on va dire. Et c'est pour ça ce, ce titre, euh, je suis content qu'il qu me revienne. Euh, je trouve euh, je trouve que j'ai fait deux bons matchs, mais voilà. La saison s'arrête pas là, il faut que je continue, il faut que je continue de, de, de performer, c'est dans mes objectifs. Bon, ça en vient avec le début de saison, mais euh, euh, en fait, de, du fait que je ne jouais pas, j'ai pris un, prépar, un préparateur mental et euh, ça m'a euh, beaucoup aidé. Et euh, du coup, je fais des petits rituels d'avant-match, mais c'est des. Bah, Ce n'est pas des choses, euh, des, de grandes choses, c'est juste euh, aller marcher sur le terrain, visualiser, c'est beaucoup de la, la visualisation. Et euh, c'est un travail que je fais intérieurement et dans, dans ma tête qui m'aide beaucoup. Ça, ça m'aide notamment à moins stresser et ça m'aide surtout à me reconcentrer dans les moments durs ou justement dans les moments les plus simples, ne pas trop me relâcher et voilà, rester concentré. Bah, j'ai commencé. Je suis arrivé en, c'était encore à l'époque, ça s'appelait U15. C'était Goderman, U15 Goderman. Et euh, voilà, là, ça fait, ça j'attaque ma huitième saison. Et je suis arrivé au club. Ouais, voilà, en, en, en nouvelle recrue de, de Haute-Savoie. Bon, c'est pas trop, c'est pas trop loin, mais c'est à côté. Et euh, non, je suis arrivé avec plein d'ambition. C'est sûr, passer d'un petit club de, de village, de voilà de un petit club de campagne, là, club de pro des 2 ça fait toujours plaisir. Donc c'est souvent le, les, les grandeurs, on va dire. Et euh, c'était que des années, c'était que des rencontres des, de belles années. On joue avec euh, de, de nouveaux potes et voilà, on visite un peu plus la France, on va dire, parce que ça reste du plus haut niveau. Et après, j'ai fait euh, toutes les catégories U15, U16, U18, Crabos euh, où, où j'ai fait, euh, j'ai connu mes mes premières phases finales, on va dire, les, les premières vraies phases finales. Et c'était euh, que des moments magiques. C'est des moments que euh, voilà, je, vais, je vais me souvenir toute ma vie. Et euh, après ça, fait, euh, je suis rentré au centre de formation après le, la deuxième année de U18, en U21. Euh, voilà, donc c'était la première marche, on va dire, vers le, le, le passage professionnel. C'est euh, un centre de performance pour nous amener justement au niveau, nous, nous emmener vers euh, le monde professionnel, nous entraîner avec eux. Et euh, voilà, les, les saisons se sont passées, j'ai réussi à intégrer le groupe pro sur ma deuxième année espoir, s'il il me semble bien. J'ai fait la prépa d'été avec eux et après voilà, j'ai réussi à, matcher, à faire mon premier match à 19 ans, il me semble, c'est ça, ouais. C'était à 19 ans et là, c'était que, que du bonheur. C'est toujours gratifiant d'évoluer de, de, dans un club et de faire toutes les catégories jusqu'au monde professionnel. De ne pas s'arrêter juste avant la, la, marche, voilà, la marche des pros. Connaître ce monde-là, c'est un pur bonheur. Et de, de voir que j'ai réussi, et enfin, c'est pas fini, mais de voir que j'ai réussi à performer et, et pouvoir évoluer à ce niveau, c'est que du plaisir. C'est un peu un rêve de gosse qui se réalise et qui, se, qui continue et que j'espère qu'il ne, qu ne va pas s'arrêter. C'était ouais, à Nevers ton premier match Ouais, c'est ça, machin Nevers. Tu le masque, masque Ouais, je de... m'étais cassé le nez, du coup, j'avais joué un masque. Ah, tout, tous les souvenirs là, <laughs> là c'est bon, je me souviens de tout. C'est une force de toujours, c'est la force de Grenoble, je trouve, de se baser sur sa, sur sa formation. Ça l'a toujours été, c'est quelque chose qui marche et on le voit, il n'y a pas besoin de, de chercher à droite, à gauche. Il faut juste continuer à faire confiance en ces jeunes. Peut-être le, voilà, leur donner leur chance et forcément pas les faire jouer tout de suite, tout le temps, mais au moins leur donner leur chance. Parce que je pense, au vu du travail qu'on fournit, c'est important, je trouve. Et Bah déjà euh, ce qui marche je trouve et ce qui ce qui est notre force c'est euh, je pense notre mental parce que moi depuis que je suis au club euh, surtout dans mon professionnel on a eu pas mal d'histoires quand même intérieurement sur des paires de points tout ça et je trouve que c'est quand même quelque chose qui nous a rarement impacté on va dire sur le terrain j'ai toujours trouvé qu'on avait voilà une force en plus que on a toujours relever la tête et qu'on sur le terrain on a toujours réussi à prouver que on, ça ne nous abattait pas et que voilà, ça, on en faisait notre force. C'était quelque chose qui nous, qui nous redonnait euh, justement plus, euh, plus de confiance en nous et qui nous faisait euh, nous battre sur le terrain. Euh, J'en ai plusieurs. Euh, déjà, j'ai mes premières phases finales euh, que j'ai jouées dans ma vie. C'est des choses que que je connaissais pas avant. Et des, des phases finales sur un championnat de France où tu rencontres toutes les équipes, c'est des choses qui te marquent et qui, voilà, qui restent à vie, je pense. Et surtout de, de pouvoir aller jusqu'en demi-finale, parce que j'ai commencé, euh, je sais qu'en, en, en, U15, U16, j'avais fait des phases finales, en huitième de finale, euh, mais c'était pas encore, c'était encore trop jeune, je trouve. Alors que arriver à, vers la, la majorité, c'est, c'est encore plus impactant. Et je trouve ça que c'est vraiment des choses incroyables à vivre. Et après, euh, surtout, euh, quelque chose que j'ai vécu grâce à Grenoble, c'est de, de pouvoir avoir joué contre mon frère, euh, contre Van en Pro D2 l'année dernière. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu jusqu'à présent, et encore moins euh, dans le monde professionnel. Et ça, ça par contre, je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs, de pouvoir jouer contre lui. Donc, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et qui restera tout le temps.